Alright guys, version 10.1 is out, new accessories, and especially the Misanga accessory. So the question is, what is it worth? Should you use it in guild quests? Should you use it in PvE? All those questions, let's answer them right now. Urui, the Almighty wa mirai wo kaihen suru chikara da. Mada zenzen tsukai korasetai nei kedo na. So huge shout out to Hisoka, his channel is going to be in the description below. Basically, he did the math, so let's just look at it and get all the answers right now. So the first build we're going to be looking at is Peel, Tension Tie, and Holobait. So he's been using Mind Jutsu as a sample for the calculation. And with this build above, basically the special move damage is 430,000, then you have SE3 and NAD. So we're going to be comparing Peel, Tension Tie, and Holobait. We're going to be comparing this with the T item or Misanga when it's using Guild Quest and when it's used in PvE. And basically, here are the numbers. So you can see that the regular build, Peel, Tension Tie, and Holobait, the damage on the special move is 470,000. With the T item, the damage on the special move is greater. On the SA3, you also deal more damage. So basically, strong attacks and special moves deal more damage. But of course, you do lose some damage on NAD because of the Holobait that you don't have. But overall, if you're, for example, if you're in Guild Quest, this is why you see that this item comes in very handy, because you also have the x2 damage for strong attacks. So this is gonna help you boost that damage right here as well. Now, in terms of PvE versus Guild Quest, Misanga in general is a lot more effective in Guild Quest, as you can see, versus PvE. So basically, the idea is when you're doing regular PvE, Misanga is almost useless. It's kind of it's actually much better to be running off with Peel, Tension Tie, and Holobait, because you're going to be doing more damage overall with this gear. So honestly, Misanga for general PvE, that's a no-go. That's one thing. Now for Guild Quest, you do see that Misanga gives you some good damage on the special move, on the SA3, and on this, and a little bit on the NAD damage as well. So overall, the Misanga comes in very handy when it comes to Guild Quest. It is kind of like a more affordable alternative to the T set. So if you don't have the T items, Misanga is definitely worth it for your main character. Otherwise, if you do have the T set, well, they're pretty much similar. Like, they're very, very close. Misanga seems to be slightly better. It's not seems like it. Misanga is slightly better, but not by much, which is good because those T accessories are much harder to get than the Misangas. So if you don't have the T items, just go for Misangas in Guild Quest. And when it comes to regular PvE, obviously this is the best gear that you can have. So ranking them, this is still absolutely amazing. If you're running normal PvE, this is an absolute beast in terms of build. If you do have the T set, well, go for it in PvE. When it comes to Guild Quest, you will want to have Misangas, and if you don't, that's fine. This build is still very effective. That's it for this video, guys. If you're new to your channel, don't forget to subscribe, and I'll see you next time. Tchuss! Salut les amis, alors gros merci à Isoka sur YouTube, donc le lien de sa chaîne est dans la description en dessous. C'est lui qui a fait tous les calculs par rapport au fameux Misanga, et la question qui est de savoir qu'est-ce qu'il vaut réellement. Donc on a, voilà comment c'est organisé ici, le personnage de base utilisé pour les tests, ça a été un Jushiro Mind, connaissance peut-être, esprit. Ensuite, on va comparer trois choses. L'attaque spéciale, les attaques puissantes, donc en prenant pour exemple la Strong 3, ainsi que les attaques normales. On va comparer trois types de builds, à savoir Peel, Bait et Tension Tie. La même chose, mais avec l'accessoire du T, et ensuite avec le Misanga. Et donc, ce qu'on peut voir, grosso modo, c'est que pour tout ce qui est PvE normal, ce build est absolument extraordinaire,
alors que le Misanga, il apporte pas une grosse différence, voire même il est moins efficace ce build là en PvE normal que le build classique que voici. Parce que on perd pas mal de dommages au niveau des nades, et bien évidemment, sachant qu'on attend les strong, enfin qu'elles rechargent, on a pas mal de DPS en moins sur le build avec Misanga. Donc en PvE, on recommande vivement ce build-là, Peel, Tenchitai et Holobait. Maintenant, si vous avez l'accessoire du T, comme vous le voyez, l'accessoire du T est meilleur que ce build-là et ce build-là pour tout ce qui est PvE normal. Au niveau des dommages et tout, ce sera bien supérieur. Donc bien évidemment, ce build-là sera supérieur à celui-là. Donc on aura en première position pour le PvE ça, en deuxième celui-là et en troisième, et non recommandé surtout, celui-ci. Maintenant, quand il s'agit des quêtes de guild, on a un bonus supplémentaire avec le Misanga. Et c'est là qu'on voit que le Misanga prend la tête. C'est-à-dire que ce build-là prend la tête en PV, en guild quest, en quête de guild. Il est meilleur que l'accessoire du T. Donc on a ça, c'est le meilleur build en quête de guild. Ensuite, avec l'accessoire du T, c'est le deuxième meilleur build. Et enfin, on a celui-ci comme étant le troisième meilleur build. Voilà, ça c'est le classement officiel. Sachant que l'accessoire du T n'est pas évident à obtenir, donc c'est plutôt pas mal d'avoir un accessoire 4 étoiles, même s'il est exclusif à la machine d'accessoires, qui permet un peu de rééquilibrer la balance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss! Jetzt ja! Jetzt ja!